Boker Tov Mvorach. Il est une coutume pendant Hanouka de manger des beignets, puisque ça baigne dans l'huile et le nes principal de Hanouka, ça a été avec l'huile, puisque la petite fiole qui contenait une quantité pour allumer la menorah une seule nuit a suffi pour 8 jours. Alors, on fait beaucoup de choses qui sont en rapport avec l'huile. Je voudrais rappeler 2 halakhot concernant les beignets. Première halakha, faut-il prélever de la hala, de la pâte des beignets? Généralement, une femme qui fait du pain ou des gâteaux a l'obligation de prélever la hala à partir du moment où il y a une quantité minimale de 1,560 kg. Puisque dans le Shulchan Aruch, basé sur le Rambam, on nous parle d'une quantité de 520 dirhams. Qui était un poids en Égypte. Et ce darham équivaut 3 grammes. Donc 520 darhams multiplié par 3, ça fait 1560 grammes. Ça, c'est le shi'our minimal pour devoir prélever la hala. Mais les beignets, c'est différent. Il n'y a pas d'obligation de prélever la hala de la pâte des beignets. Et ce, pour quelle raison? Car on ne va pas cuire ça dans le four comme du pain. Ça ne va pas être du lehem, ça va être frit dans l'huile. Pour que le gâteau ou le pain soit hayav de prélèvement de hala, il faut que ce soit ce qu'on appelle panifié, une cuisson comme du pain. Mais si c'est, par exemple, des spaghettis, des macaronis, du couscous, des beignets, tout cela, ça n'a pas cuit à sec dans le four, ça a baigné dans l'eau ou dans l'huile. Alors dans ce cas-là, nous dit le Shulchan Aruch, Siman Shin Kaftet du Yoredea Saif Gimel, qu'il n'y a pas de Hiyuv, de Hala dans ce cas-là. Deuxième halakha concernant ces beignets, c'est que si on a mangé 216 grammes, vous le savez que généralement, des gâteaux, bien que ce soit maisonnote au début, mais si on a mangé 216 grammes de gâteaux, du coup, il faut faire amotzi, il faut faire birkat amazon, nachon. Mais pour les beignets, ce n'est pas ainsi. Pourquoi? Parce que ça cuit dans l'huile, ça frit dans l'huile. Ça n'a pas cuit dans le four à sec. Étant donné que ça n'a pas le statut de lehem, et d'où on apprend que le lehem, c'est obligatoirement afia, ça cuit dans le four à sec, on l'apprend du pasouk. Ve'afu eser nashim lahmechem betanur ehad. Ve'afu lahmechem. Quand est-ce que ça s'appelle lehem? Que si ça a passé un mode de cuisson de afia et non pas de bichoul ou de tigoun. Tigoun, c'est-à-dire la friture. Étant donné que les beignets, ça a cuit, ça frit dans l'huile, même si on en mange beaucoup, même si on dépasse les 216 grammes, ça reste maisonnote. Et à la mihya, à la fin, ça ne deviendra jamais un motzi lefaminaretz ni birkat amazon. Bruchim tiyou.